Nous sommes tous différents. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, portant sur l'inclusion et l'éducation, estime que l'éducation est plus forte lorsqu'elle s'ouvre à la diversité. Les apprenants ne devraient pas avoir à s'adapter au système. Les systèmes éducatifs devraient plutôt s'adapter à eux. Lorsque les élèves ne se sentent pas les bienvenus à l'école, ils sont moins susceptibles d'apprendre. C'est une perte pour nous tous. Mais les pays riches, aussi bien que les pauvres, séparent trop souvent certains enfants des autres à l'école, comme des enfants qui ont été déplacés, qui ont un handicap, qui parlent une autre langue ou sont pauvres et défavorisés. Les méthodes d'enseignement peuvent favoriser certains élèves, comme le font de nombreuses lois et politiques. Les enseignants sont souvent mal équipés pour répondre aux besoins divers des élèves. Les enfants ne se reconnaissent pas toujours dans les manuels scolaires. Certains peuvent même ne pas s'y retrouver du tout. Ils en comprennent qu'ils n'ont pas leur place. Les évaluations reflètent parfois une vision étroite de l'éducation et par conséquent, certains élèves quittent l'école plus tôt qu'ils ne le devraient. Il s'agit là de problèmes complexes à résoudre. Mais croire au droit à l'éducation, c'est croire à l'inclusion. Les enfants ont des rythmes et des besoins d'apprentissage différents. Ils ont besoin de programmes d'études souples, créatifs et pertinents. La manière dont les enseignants sont préparés est essentielle. Il faut leur donner les outils et les formations nécessaires pour réaliser notre vision de la réforme. Les ressources qui peuvent aider les personnes marginalisées, éducateurs, personnel de soutien et matériel, doivent être partagées afin que tous puissent en bénéficier. De meilleures données nous aiderait à mieux cibler ceux qui sont laissés pour compte. Les désavantages s'accumulent souvent. Nous ne pouvons pas aborder l'inclusion au cas par cas. Pour surmonter ces difficultés, il faut des ressources financières. Celles-ci doivent être réparties de manière équitable et répondre aux besoins spécifiques de chacun. Nous devons travailler ensemble sur ces questions dans tous les ministères, de l'administration centrale aux autorités locales, avec les gouvernements soutenus par la société civile et des écoles qui ouvrent leurs portes à la communauté. L'inclusion dans l'éducation nécessite un changement de mentalité dans la société pour que l'éducation pour tous signifie l'éducation pour tous sans exception. Atteindre cet objectif est l'affaire de tous, y compris la vôtre. Bonjour et bienvenue. Il y a actuellement plus de 300 personnes qui nous suivent sur la plateforme et d'innombrables autres personnes qui regardent le lancement sur YouTube. Bienvenue à tous. Nous avons des participants assistant à l'événement dans plus de 100 pays. Et si vous êtes sur la plateforme, je voudrais vous demander d'indiquer la ville et le pays d'où vous rejoignez notre conversation. L'événement d'aujourd'hui est diffusé en anglais, en espagnol et en français et en langue des signes des États-Unis. Si vous voulez modifier la langue, vous pouvez choisir la langue que vous préférez dans le menu de navigation en haut de l'écran. Il y a aussi des sous-titres en direct qui sont disponibles. Si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur la roue des réglages pour obtenir les sous-titres en direct. Le rapport est disponible en braille avec un résumé facile à lire, ce qui veut dire que les mâles ou non-voyants peuvent lire le rapport. Et le résumé des rapports est disponible aujourd'hui dans 12 langues, avec 12 langues qui sont en cours de production. Une version accessible en ligne du rapport complet sera disponible au cours du prochain mois. Nous souhaitons qu'il y ait la plus grande interaction possible aujourd'hui au cours de l'événement. Pendant toute la réunion, nous invitons à poser des questions sur Twitter ou dans la fonction chat en utilisant le mot dièse. All means all, mot dièse, hashtag all means all. N'oubliez pas d'inclure votre nom d'usager de Twitter. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation et son équipe répondront à toutes vos questions après l'événement. Si on ne peut pas y répondre aujourd'hui, au cours de la prochaine heure, nous allons entendre des défenseurs de l'inclusion, des ministres, des enseignants, des dirigeants de différentes régions du monde, dont les récits et les efforts touchent au cœur même du thème
du rapport GEM de 2020, à savoir l'inclusion. Le rapport demande à tous les acteurs de l'éducation d'élargir leur compréhension de l'éducation inclusive pour y inclure tous les apprenants, quelle que soit leur identité, antécédent, contexte ou aptitude. Il faut être convaincu que chaque personne est unique, a du potentiel et doit être respectée. Il faut considérer que la diversité doit être au cœur des systèmes d'éducation plutôt que de considérer que c'est un problème. Nous allons entendre le premier orateur maintenant. C'est la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Je me réjouis de vous souhaiter la bienvenue au lancement du rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, le rapport GEM, dont le thème est l'inclusion et l'éducation. Le lancement d'aujourd'hui a lieu en ligne. C'est une première dans l'histoire du rapport. C'est à cause de la COVID-19. Comme le philosophe sénégalais l'a dit, le projecteur glacial et implacable de la pandémie a révélé nombre des inégalités qui touchent le monde contemporain. Et je dirais que c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'éducation. En avril, lors du pic de la pandémie, les fermetures d'écoles touchaient 1,5 milliard de jeunes dans 194 pays. Les fermetures d'écoles ont privé les apprenants de repas abordables, protection et soutien social, ce qui pourrait aboutir à davantage d'échecs scolaires, en particulier parmi les filles. Toutefois, comme le rapport nous le rappelle, ces inégalités existaient déjà avant la crise. Dans au moins 20 pays, presque aucune jeune femme au milieu rural ne pouvait achever l'enseignement secondaire. Les apprenants risquent l'exclusion, surtout les handicapés. Ils souffrent d'un manque d'inclusion dans l'éducation. La crise actuelle est l'occasion de tirer des enseignements et de construire des systèmes éducatifs plus résilients, plus efficaces pour demain. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 essaye de recenser toutes les causes de l'exclusion, élaborer une définition plus complète de l'inclusion et souligne également qu'il faut avoir des données de meilleure qualité, notamment sur les apprenants vulnérables. Cela nous encourage à construire des écoles plus humaines, plus inclusives, des écoles où chaque élève se sent bien chez lui, qu'il a un sentiment d'appartenance, des écoles à l'abri des préjugés, de la discrimination, des écoles axées sur le bien-être des apprenants. Les 10 messages du rapport sont un appel à l'action. Ce sont des voies à suivre et l'UNESCO est décidée à appuyer ses États membres dans ces aspects. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rendre l'éducation plus inclusive, ce qui est la pierre angulaire d'une société plus résiliente. Tandis que le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020 le souligne, l'éducation c'est pour tous et pas seulement pour quelques-uns. Tous, cela signifie véritablement tous sans aucune exception. Et je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée. Et encore une fois, je le répète, comme le rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, le rapport GEM le souligne, l'éducation, c'est pour tous, tous sans exception. L'UNESCO est déterminée à soutenir ses États membres dans tous ces aspects concernant l'inclusion dans l'éducation. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de rendre l'éducation plus inclusive, ce qui est la pierre angulaire d'une société plus résiliente. Tout cela signifie tous sans exception. Nous venons d'entendre un appel à l'action de la part de la directrice générale de l'UNESCO à la suite de la pandémie de la COVID. Maintenant, nous allons en apprendre davantage au sujet de l'opportunité du rapport 2020 grâce à une discussion entre la présidente du Conseil consultatif du rapport GEM et ancienne ministre de la Nouvelle-Zélande, Helen Clark, et le directeur Manos Antoninis. Helen et Manos vont examiner la façon dont le nouveau rapport est très pertinent par rapport à ce qui se produit dans le monde actuellement et pourquoi il est essentiel qu'il soit lu par les décideurs politiques dans le domaine de l'éducation, alors qu'ils vont reconstruire les systèmes éducatifs à la suite de la pandémie de la COVID. La pandémie de la COVID-19 a provoqué le plus grand défi lancé au secteur de l'éducation que nous ayons jamais connu. Une proportion élevée des enfants du monde n'ont pas pu aller à l'école pendant les fermetures dans leur pays et de nombreux d'entre eux pourraient ne jamais retourner à l'école. Nombre
d'enfants pourraient devoir travailler au lieu d'aller à l'école, avec les familles qui s'appauvrissent davantage. Donc, la pandémie a aggravé l'exclusion pour ceux qui étaient déjà confrontés à la marginalisation éducative ou la déscolarisation. Les éléments de preuve disponibles dans le nouveau rapport mondial de suivi sur l'éducation 2020, qui est publié aujourd'hui, indiquent que 40% des pays les plus pauvres du monde n'ont pas pu viser les enfants marginalisés pendant la crise. En conséquence, les messages et les recommandations que vous allez entendre aujourd'hui au sujet de l'inclusion et l'éducation viennent à un moment très important. Manos Antoninis, je pense que vous conviendrez que la pandémie a exposé de nombreuses fractures dans l'éducation et les sociétés. Vous pouvez nous en parler un peu plus. Vous êtes informé par le nouveau rapport concernant les possibilités, les occasions à saisir et aussi l'obligation de repenser nos systèmes éducatifs après le passage de la pandémie Covid-19. Donc Manos Antoninis, qui est directeur, va nous en dire davantage au sujet des occasions à saisir, les possibilités qui se présentent et aussi l'obligation de repenser nos systèmes éducatifs après la pandémie. Merci Hélène, sans aucun doute, la Covid-19 vient d'ajouter une nouvelle couche de complexité au défi de l'inclusion dans l'éducation. Alors même que je parle, 91% de la population estudiantine mondiale a été touchée dans 194 pays. 2 élèves sur 3 ne sont pas encore retournés à l'école. Le monde a été pris au dépourvu par l'ampleur du défi et il n'est pas étonnant qu'aucune réponse parfaite n'ait été trouvée. Mais comme vous l'avez dit, les fermetures d'écoles ont touché de façon disproportionnée les élèves marginalisés. La plupart des mécanismes d'appui pour les élèves défavorisés, les cantines scolaires, les services pour les handicapés ont été interrompus également. Les solutions pour la continuité de l'apprentissage grâce à l'enseignement en ligne ont défrayé la chronique. Elles ont été une source d'inspiration. Cela a ouvert une fenêtre sur l'avenir. Pour certains, c'était une perspective euphorisante. Pour d'autres, une dystopie. Mais ce que nous savons, c'est que cela ne remplace qu'en partie l'expérience éducative. La réalité, c'est que les enfants, les élèves défavorisés, avaient le plus de difficultés pour tirer parti de ces possibilités offertes car ils n'avaient pas le bon appareil. Par exemple, la connexion à Internet n'était pas vraiment disponible, ni bon marché, ils n'avaient pas un bon environnement à domicile. De nombreux sites web et programmes ne sont pas accessibles pour les élèves sourds ou aveugles et ils ne sont pas forcément disponibles dans une langue appropriée, même si la technologie le permet. Et c'est particulièrement difficile, notamment pour les élèves aveugles ou sourds. N'oublions pas que ce n'est qu'une petite partie du problème. Si on pense en termes véritablement mondiaux, même de telles possibilités ont été l'exception. Seulement 12% des foyers dans les pays moins développés ont un accès à Internet à domicile. Même les solutions technologiquement simples ne fonctionnent pas toujours. Par exemple, en Éthiopie, là où 20% des familles les plus pauvres vivent, seulement 7% d'entre elles ont accès à la radio. Et aucune n'a accès à la télévision. Donc ces élèves-là, qui sont au nombre de centaines de millions, ont pratiquement cessé d'apprendre. Et ce qui nous inquiète tous, comme vous l'avez dit, c'est que les plus pauvres pourraient ne pas retourner à l'école lorsque les écoles rouvrent leurs portes, car leur famille a été plongée de façon encore plus profonde dans la pauvreté. Pour nombre d'élèves, ceux qui, comme vous l'avez dit, souffrent de stéréotypes et de discrimination à l'école, une question se pose. L'école est-elle l'endroit auquel ils veulent véritablement retourner? C'est cela qui place l'inclusion au cœur même des plans de relèvement dans l'éducation. Et l'inclusion devient encore plus essentielle. Vous avez raison de dire que nous avons une occasion à saisir et l'obligation de mieux reconstruire. Il me semble que nous devons certainement tirer notre inspiration pour réimaginer le système éducatif du dévouement exceptionnel et le professionnalisme des enseignants dans le monde. Pendant les fermetures causées par la pandémie, nous les avons vus adapter leurs méthodes de travail pour satisfaire les besoins des élèves. Donc, Manos, comment veiller à ce que leurs innovations et expériences puissent être développées et non oubliées, tandis qu'on reconstruit les systèmes, il ne faut pas les oublier au moment où la pandémie pourrait reculer. Je suis tout à fait d'accord, des millions d'enseignants se sont dévoués avec abnégation et ont tout mis en œuvre pour poursuivre l'enseignement. Ils ont, n'oublions pas que dans la plupart des cas, même sans aucun préparatif, ces derniers mois, nous avons été rappelés encore une fois du rôle vital que les enseignants peuvent jouer pour promouvoir l'inclusion, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur des salles de classe, là où lorsqu'il y a un suivi avec les élèves, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte ni privé d'attention. Merci Manos.
Nous vivons dans un monde toujours plus complexe et instable, et sans aucun doute, nous devons penser différemment au sujet de l'avenir de l'éducation. Pendant l'événement d'aujourd'hui, on va en entendre beaucoup plus au sujet des mesures concrètes que nous pouvons tous prendre pour que le système éducatif soit beaucoup plus inclusif de tous les élèves partout et accueille tous les élèves partout dans le monde. Nous venons d'entendre. Hélène et Manos viennent de nous dire comment la société va être fondamentalement transférée par la pandémie. Les systèmes éducatifs devront évoluer eux aussi. Manos et des personnalités que vous allez reconnaître vont maintenant dire pourquoi on doit exploiter la situation actuelle pour éliminer les obstacles, les barrières et faire face à un large éventail de problèmes liés à l'inclusion, ce qui menace les possibilités qu'a le monde d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030 dans les délais prévus. C'est une époque difficile pour tous, pour certains beaucoup plus que pour d'autres. Même pour ceux qui ont le luxe relatif de se connecter en ligne, les besoins de temps ont été considérables ces derniers mois. C'est pour cela que nous vous remercions tous ceux qui participent à la réunion d'aujourd'hui. Votre présence indique votre attachement à la cause de l'inclusion. C'est un engagement que tous les pays ont pris lorsqu'ils ont adopté l'ODD 4 qui doit être réalisé d'ici à 2030. Nous ne pouvons pas oublier cet engagement malgré les difficultés actuelle. Comme notre discussion vient de l'indiquer, les arguments sont devenus encore plus convaincants en faveur de l'ODD 4, l'éducation. Mais qu'entend-on par inclusion dans l'éducation? Le rapport a défini l'inclusion dans l'éducation en tout premier lieu en tant que processus contribuant à l'objectif global de l'inclusion sociale. L'inclusion des mesures qui promeuvent la diversité et donnent un sentiment d'appartenance. Ces actions doivent s'ancrer dans la conviction que chaque personne a de la valeur et du potentiel. Chaque personne doit être respectée, quels que soient ses antécédents, contexte, aptitudes ou identité, car chacun d'entre nous a des différences inhérentes. Personne ne doit être victime de la discrimination. Personne ne doit être rejeté. L'inclusion, c'est s'adapter aux apprenants, mettant en œuvre mettant tout en œuvre pour satisfaire leurs besoins divers. Il ne faut pas que les apprenants s'adaptent au système. Il ne s'agit pas de créer un département pour l'éducation inclusive au sein d'un ministère et considérer que le travail est terminé. Les arguments en faveur de l'inclusion sont défendus de façon puissante par ceux qui appuient les droits des handicapés. C'est grâce à leur effort que le droit à l'éducation inclusive est garanti en droit international. L'inclusion ne doit pas être associée à un seul groupe. Les mentalités, les mécanismes qui la discrimination et le rejet sont les mêmes pour tous les exclus. Chaque société doit prendre conscience de ces mécanismes qui excluent certaines personnes. L'inclusion dans l'éducation est un élément clé pour construire des sociétés inclusives, soudées et démocratiques, où les différences d'opinion peuvent s'exprimer librement, où différentes voix peuvent se faire entendre pour parvenir à la cohésion sociale. Cependant, l'identité, les antécédents, le contexte, les capacités continuent de dicter les possibilités d'éducation. Cela comprend deux éléments. Premièrement, ceux qui sont laissés pour compte. Même si cela est choquant, une discussion sur l'inclusion doit commencer à partir des 258 millions d'enfants, adolescents et jeunes qui ne vont pas à l'école. Dans 12 pays, les enfants handicapés courent deux fois plus de risques que de ne jamais aller à l'école par rapport à leurs camarades non handicapés. Le monde a établi une cible pour que tous les élèves achèvent l'enseignement secondaire à l'horizon 2030. Nous avons trouvé au moins 20 pays où aucune femme rurale pauvre n'achève l'école secondaire. Les réfugiés adolescents courent trois fois plus de risques de ne pas bénéficier de l'enseignement secondaire. Deuxième observation, que se passe-t-il dans la salle de classe? Parmi ceux qui achèvent le premier cycle du secondaire, les étudiants des familles les plus riches sont deux fois plus susceptibles d'obtenir des compétences de base plutôt que par rapport aux plus pauvres. La réalisation du gain est acquis. Par exemple, réduire de moitié la pauvreté que la Banque mondiale a proposé, voire l'éliminer d'ici à 2030, ce qui est l'objectif adopté par la communauté internationale. Ces objectifs ne seront pas atteints avec seulement des interventions techniques sur la façon de lire. Il faut penser aux expériences des élèves. Leur bien-être est important.
La stigmatisation, les stéréotypes, la discrimination signifient que des millions d'élèves sont marginalisés dans les salles de classe. Ça veut dire qu'ils sont moins susceptibles de progresser dans leur éducation. Les écoliers de quatrième année, les pays à moyen et élevé qui n'apprennent pas dans leur langue maternelle, ont 34% de moins de chances d'apprendre les habitudes de la lecture. Seulement 41 pays dans le monde ont reconnu la langue des signes comme langue officielle. Les États-Unis, il y a des risques que certains élèves restent chez eux plutôt que d'aller à l'école, notamment pour les LGBTQ aux États-Unis, qui préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller à l'école, car ils ne se sentent pas en sécurité. Manos vient de nous dire que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école et d'apprendre, quelle que soit leur identité, où ils vivent, ou quelle que soit la richesse de leur famille. Maintenant, Brina va s'adresser à nous, une championne de l'inclusion du rapport GEM. Elle va nous indiquer comment elle mène la charge pour garantir le droit à l'éducation pour les enfants qui lui ressemblent. Bonjour à tous. Je suis une personne qui a un handicap. Je m'adresse à vous des Philippines. J'ai un handicap car je suis trisomique. J'ai la trisomie 21. La trisomie 21 est l'une des maladies génétiques les plus communes et elle cause des déficiences dans le développement physique et intellectuel, des retards, des handicaps. Lorsque j'avais 9 jours, un médecin a dit à mes parents que je pourrais ne pas vivre très longtemps car j'avais une cavité dans mon cœur et un très pauvre tonus musculaire, très faible, avec l'amour et l'appui de ma famille. Pourtant, j'ai maintenant 23 ans. Lorsque j'avais 10 ans, un psychologue a dit que j'avais un fonctionnement intellectuel très limité et que je risquais de ne pas même finir l'école primaire. Mais j'ai largement dépassé son pronostic. À l'âge de 16 ans, j'ai obtenu un diplôme d'un lycée ordinaire, classique, en tant que major de ma promotion. À l'âge de 20 ans, j'ai obtenu un diplôme universitaire, obtenant une licence des arts dans l'histoire. Aujourd'hui, je travaille en tant que maîtresse assistante en établissement, préscolaire et chaque jour, je vais à l'école et j'aide des enfants à acquérir, les aptitudes, les compétences qui les aideront à réussir dans la vie, quel que soit leur rêve. Et ils ont des rêves. Je dirais. Aujourd'hui, donc, je suis maîtresse assistante en établissement préscolaire. Et chaque jour, je vais travailler à l'école et j'aide des enfants à acquérir les compétences, les aptitudes qui les aideront à réussir dans la vie, quel que soit leur rêve. Il y a des écoles qui n'acceptent pas les handicapés car on juge qu'ils sont plus lents que les autres élèves. Et certaines écoles ne m'ont pas accepté à cause de mon handicap. On ne considère pas le travail acharné des élèves, on ne voit que leur handicap. Les directeurs d'école et les enseignants parfois ne pensent pas que les enfants handicapés ont leur place dans les salles de classe aux côtés d'autres enfants. Chaque jour, des personnes qui ont des handicaps intellectuels sont exclues de l'éducation car certaines personnes pensent que nous ne sommes pas suffisamment doués ou qu'on n'a pas assez d'aptitudes, donc on ne peut pas obtenir des résultats aussi bons que nos camarades. Ces personnes se trompent. Il y a tant d'enfants handicapés, brillants et talentueux, qui pourraient réussir, même dans des écoles classiques, des écoles tout à fait ordinaires avec un appui approprié. Mais les systèmes éducatifs dans certains pays s'opposent à l'inclusion. Des lois dans un quart des pays indiquent que les enfants handicapés doivent être éduqués dans des environnements séparés. Des environnements séparés, ce qui est dommage. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à un système d'appui solide. Premièrement, grâce à mes parents et à ma famille qui
qui m'ont donné un amour inconditionnel, deuxièmement grâce à mes enseignants, mes tuteurs, qui m'ont donné un soutien adapté et des supports pédagogiques pour répondre à mes besoins, et troisièmement grâce aux écoles inclusives qui m'ont accepté, m'ont encouragé à donner le meilleur de moi-même. Le récit de ma vie, c'est la preuve que l'inclusion dans l'éducation permet à tous les élèves d'atteindre le meilleur niveau possible. L'inclusion permet à tous de réussir. Merci. Rina vient de nous dire que les systèmes éducatifs ne fonctionnent pas pour tous les élèves. Les obstacles à l'inclusion existent partout. Ils se trouvent dans les esprits, les traditions, les bâtiments et les systèmes. La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière les inégalités dont souffrent 330 millions d'écoliers du primaire qui dépendent de cantines scolaires. Il y a une fracture numérique, il y a des enfants sans appareil ou connexion fiable à Internet, et donc ils sont complètement coupés de l'apprentissage. L'accès au téléenseignement efficace est une énorme préoccupation pour les élèves autochtones, une communauté d'apprenants qui, même avant la pandémie, se heurtait à de grandes inégalités lorsqu'il s'agit d'obtenir une éducation. Nous allons en apprendre davantage concernant l'importance du rapport mondial de suivi sur l'éducation, avec le mot dièse All means all, l'importance du rapport GEM pour les peuples et populations autochtones. Les communautés autochtones parlent la grande majorité des 7 000 langues de notre monde. Nous apportons une culture riche, une histoire profonde à tout environnement d'apprentissage. Mais je sais que parfois nous devons lutter contre la discrimination. Pour nous sentir les bienvenus dans l'éducation, en tant qu'ambassadrice de bonne volonté pour l'UNESCO, je me fais son porte-parole en faveur du rapport GEM 2020, qui demande que les systèmes éducatifs accueillent mieux les élèves autochtones de nombreux pays, examinent maintenant les façons de veiller à ce que les politiques éducatives reflètent et respectent nos différences, nos cultures, mais les enfants qui n'en profitent pas sont lassés d'attendre. Nous ne devons pas les priver de leur seule chance d'avoir une éducation. Je demande aux pays d'examiner avec détermination leur politique éducative et de veiller à ce qu'elles prennent en compte la diversité de nos sociétés multiculturelles. Les décideurs doivent commencer leur évaluation sur la base qui fait que tous les élèves doivent être traités sur un pied d'égalité dans les salles de classe. Il est logique qu'un enfant ait des difficultés à apprendre si les manuels scolaires qui sont remis aux élèves sont dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Les enseignants doivent recevoir une formation et des idées pour veiller à ce qu'ils célèbrent la diversité des élèves qu'ils vont trouver dans leur salle de classe. Sans ces changements, les élèves des populations autochtones reçoivent un message de la part de leur système éducatif, celui qu'ils n'ont pas leur place à l'école et leurs études en souffrent inévitablement. Ce n'est pas une coïncidence que les élèves de 8 ans en Amérique latine qui ne parlent pas la langue de l'examen sont 3 fois moins susceptibles de pouvoir lire et comprendre ce qui leur est présenté dans cet examen. Ils ont beaucoup plus de difficultés puisque ce n'est pas leur langue maternelle. Et donc, ils ont beaucoup plus de mal à obtenir de bons résultats à l'examen. Tous les enfants méritent un avenir décent et inclusif. Maintenant, nous allons entendre Manos de nouveau, le directeur Manos, nous dire à quelle politique nous devons donner la priorité alors que nous allons reconstruire les systèmes éducatifs après ce hiatus, après cette interruption. Il y a une recommandation clé capitale pour tous ceux qui participent à l'éducation. Nous devons comprendre que la diversité des apprenants n'est pas un problème, mais une occasion à saisir. L'inclusion ne peut pas être réalisée si c'est considéré comme un inconvénient ou si les personnes pensent que les capacités, les aptitudes des enfants pour ce qui est d'apprendre
sont fixés. Le rapport demande à tous les pays d'élargir l'interprétation de l'éducation inclusive pour qu'elle porte sur tous les apprenants, quelle que soit leur identité, contexte, antécédent, aptitude. L'inclusion, ce n'est pas pour un petit nombre seulement. Lorsqu'on dit éducation pour tous, nous voulons vraiment dire éducation pour tous sans exception. Ce rapport, c'est pour toutes les personnes, cela concerne tous les pays. Les albinos en Afrique subsaharienne, les apatrides dans les pays arabes, les Roumains en Europe, les Rohingyas déplacés en Asie, les personnes d'ascendance africaine en Amérique latine, d'où le mot dièse, le hashtag All Means All, que vous pouvez utiliser pour envoyer des tweets concernant le rapport GEM 2020. Néanmoins, de nombreux gouvernements ne fondent pas leurs lois et politiques sur ce principe. Le rapport a constaté que 68% des pays ont défini seulement 68%. 8% des pays ont une définition d'éducation inclusive, mais seulement 57% des définitions prennent en compte les groupes multiples et marginalisés. Dans un quart des pays, les définitions de l'éducation inclusive ne concernent que les personnes handicapées. Les doivent être également cohérentes de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Un examen de 32 programmes éducatifs pour la petite enfance en Europe a défini la participation active comme un élément clé pour que les enfants apprennent et un sentiment d'appartenance. En Inde, les enfants qui sont obligés de redoubler en primaire sont moins susceptibles d'achever l'école primaire. Et pourtant, une douzaine d'États ont abandonné la politique de non-redoublement. Dans l'enseignement tertiaire, seulement 11% de 71 pays ont des stratégies globales pour l'équité. Les obstacles à l'inclusion ne concernent pas seulement les lois et les politiques. Les obstacles concernent également le financement. Cela ne veut pas dire que l'inclusion soit coûteuse par définition. Si elle est planifiée à l'avance, l'inclusion est moins onéreuse que si des changements sont apportés plus tard, comme mesures palliatives. En outre, des gestes simples et les bonnes façons de gérer une salle de classe ne coûtent rien, mais sont les contributions les plus précieuses à l'inclusion. Mais des efforts doivent être faits pour qu'on atteigne l'équité et l'inclusion de façon appropriée grâce au financement. Il y a deux volets à cette question. Premièrement, la façon dont les gouvernements affectent les fonds en général et si les gouvernements compensent les désavantages au moment d'allouer les ressources aux autorités locales ou aux écoles. Affecter les mêmes sommes à tous les bénéficiaires, pourrait ne pas être favorable à l'équité. Deuxièmement, la façon dont les gouvernements ciblent l'éducation vers les élèves et leurs familles qui en ont le plus besoin, aussi bien les fonds généraux que les financements ciblés. Les deux sont nécessaires, non seulement en espèces, mais aussi en nature. Un pays sur quatre a un programme d'action positive pour l'accès à l'enseignement postsecondaire, pas seulement grâce à l'éducation, mais aussi le budget d'assistance sociale. En Amérique latine, les programmes de protection sociale ont augmenté la durée de l'éducation d'une demi-année à une année et demie. Il n'y a pas de mécanisme idéal de financement. Les pays ont différentes histoires, compréhension de l'éducation inclusive et niveau de décentralisation. Certains pays s'éloignent de l'affectation de fonds pour chaque type de besoin, ce qui pourrait gonfler le nombre d'élèves identifiés en fonction de ces besoins pour passer à un simple financement pour les écoles prenant en compte tous les besoins possibles. Il y a une autre dimension dans le financement de l'éducation inclusive. L'objectif global, c'est de veiller à ce que tous les élèves aillent dans leur école locale et classique et reçoivent l'appui dont ils ont besoin. De nombreux pays sont encore très éloignés de cet objectif. L'analyse dans ce rapport concernant les lois dans le monde dit que 25% des pays continuent de prévoir que les enfants handicapés soient éduqués dans des environnements séparés. 48% de pays demandent au moins une séparation partielle. Le rapport GEM 2020 est franc au sujet des nombreuses difficultés pour atteindre l'inclusion. Passer de la situation actuelle à des systèmes qui satisfont tous les besoins de tous les apprenants, y compris ceux qui ont de grands handicaps, c'est un grand exploit à bien des égards, c'est un défi. Et une question de gestion. Le legs de la séparation signifie que les ressources humaines et matérielles pour appuyer la diversité ont été concentrées dans un petit nombre d'endroits et sont distribuées de manière illégale. Des mécanismes et des incitations sont nécessaires pour partager des ressources spécialisées et veiller à ce que les connaissances des experts appuient toutes les écoles classiques. Dans plusieurs pays, les centres de ressources, des enseignants itinérants, des réseaux d'éducateurs sont utilisés pour appuyer la transition vers l'inclusion. Examinons ces recommandations du point de vue d'un pays en particulier maintenant. Bonjour.
Le cadre d'action pour l'éducation représente 15% des dépenses publiques et il y a 2,5%. Cela correspond à la norme mentionnée dans le rapport 2018. Nous avons renforcé notre engagement lorsque le président a lancé un programme pour l'éducation de qualité qui a permis un meilleur accès dans toutes les écoles du pays. Comme droit fondamental, nous devons assumer la responsabilité. Les taux de scolarisation ont été impressionnants. Nous avons de nombreux nouveaux apprenants. Nous avons atteint l'égalité des sexes. Et il existe encore un grand écart entre différents groupes de la population. Nous avons un chemin à parcourir avant d'arriver à l'équité. C'est pour cela qu'en Sierra Leone, nous avons le ministère de l'Éducation qui utilise le principe de l'inclusion radicale. L'inclusion radicale, c'est à ce que les enfants de toutes aptitudes, compris les enfants qui ont des handicaps ou des déficiences, tous ces enfants doivent bénéficier d'une éducation de qualité. L'inclusion radicale, cela veut dire que les enfants sont bien encadrés par la communauté, obtiennent le meilleur soutien possible pour que les enfants apprennent à l'école et aussi à domicile au sein des familles. L'inclusion, c'est qu'on appuie l'accès aux écoles, quelle que soit la situation des élèves. Nous améliorons l'expérience d'apprentissage de tous les élèves. Donc, nous prenons en compte les différences économiques, sociales, les différentes aptitudes. Nous assurons l'accès de tous les enfants dans l'établissement scolaire. Nous avons des politiques et des plans de travail qui favorisent l'apprentissage. Au cours des 6 derniers mois, certainement au cours des 2 dernières années, avec le nouveau gouvernement, nous avons annuler l'interdiction et maintenant les filles enceintes peuvent aller à l'école. Les femmes qui ont un enfant peuvent aussi être scolarisées. Lorsque les écoles vont rouvrir, nous allons privilégier les filles, l'éducation des filles, car nous savons que les rythmes de transition pour les filles ne sont pas les mêmes que pour les garçons. Pendant les fermetures des écoles, nous avons une campagne, il n'y a aucune grossesse chez les filles en âge scolaire. Il y a eu des problèmes dans ce domaine. 10 000 filles étaient tombées enceintes, n'ont pas pu aller à l'école. Donc, les communautés, toute la société doivent veiller à ce que les filles soient protégées. Alors qu'on pense à rouvrir les écoles maintenant, après le passage de la COVID-19 qui a causé la fermeture, nous avons vu que les pauvres en milieu rural, les filles handicapées ont plus souffert de la pandémie. C'est pour cela nous veillons à ce que les écoles puissent rouvrir dans de meilleures conditions, avec un meilleur matériel, avec notamment des cantines scolaires, une meilleure alimentation des élèves qui sont soutenus dans les écoles, mais aussi à domicile. L'inclusion radicale, cela correspond à tous, cela signifie tous sans exception, et nous souhaitons assurer l'égalité des chances pour tous les élèves avec l'accès à l'éducation, pour que les élèves concrétisent leur potentiel humain, où qu'ils soient, quel que soit leur contexte et antécédent. C'est pour cela qu'au ministère, nous avons donné la priorité à l'inclusion radicale. Le gouvernement est favorable à l'égalité, à l'équité, et nous allons travailler avec acharnement jusqu'à ce que nous atteignions tous nos objectifs dans le domaine de l'éducation. Bonjour, je remercie le ministre, M. Senge. Je me réjouis de participer au lancement du rapport. Le Royaume-Uni appuie le rapport GEM depuis longtemps, et le rapport est reconnu et respecté mondialement. Cela favorise les relations avec les partenaires de développement. Le rapport favorise la transparence et la responsabilisation. Le message du rapport sur l'inclusion nous rappelle que malgré tant de progrès ces 2 dernières décennies, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour atteindre l'égalité et l'équité. Le rapport
nouvelle connaissance peut être suscitée par plusieurs facteurs. Et ce message est encore plus important dans le contexte de la COVID-19. La pandémie a fait qu'il y a eu interruption des études des élèves, des heures d'apprentissage ont été perdues. Cela grève les budgets nationaux et internationaux et de nombreuses difficultés sont apparues. Le Royaume-Uni a appuyé l'éducation de longtemps et nous défendons le droit de toutes les filles dans le monde d'avoir une éducation de qualité. Pour les 4 derniers mois, nous avons adapté nos programmes bilingues et nous relevons le défi en matière d'éducation pour que l'éducation soit maintenue. Nous appuyons le téléenseignement, l'enseignement grâce aux pairs et aux homologues. L'éducation ne peut pas attendre. Et nous versons des fonds à différents organismes internationaux dans le domaine de l'éducation. Les investissements à long terme permettent d'améliorer la qualité de l'éducation. Il convient de soutenir tous les pays pour avoir de meilleurs systèmes éducatifs, notamment pour atteindre les filles en zone reculée, les filles handicapées, les filles en milieu rural, les filles et femmes jeunes enceintes, les filles victimes d'un mariage précoce. Et donc, il faut faire pour que toutes les filles, même les plus marginalisées, puissent retourner à l'école lorsque les pays jugeront que c'est sûr de le faire. L'UNICEF va jouer un rôle de chef de file et le ministère des filles, le ministère britannique, va jouer un rôle clé pour soutenir l'UNESCO et l'UNICEF pour se concentrer sur l'importance de l'éducation pour le relèvement après la COVID-19. Et donc, je vous encourage tous à soutenir les initiatives en cours et faire en sorte que les systèmes éducatifs soient reconstruits pour prendre l'inclusion plus au sérieux et pour que tous les élèves puissent apprendre dans la sécurité. Nous sommes engagés à ne laisser personne à la traîne en adoptant les objectifs de développement durable et maintenant nous devons conjuguer nos efforts pour que cela devienne une réalité. L'inclusion, ce n'est pas seulement une question de financement et de volonté politique. Il s'agit de mettre au défi des personnes afin qu'elles pensent différemment et accueillent les marginalisés dans les salles de classe. Tous les participants à l'événement d'aujourd'hui peuvent nous aider à atteindre cet objectif. Nous allons apprendre davantage concernant le rôle clé que les communautés, les écoles, les organisations non gouvernementales jouent en développant les systèmes éducatifs, les systèmes où chacun peut concrétiser son potentiel maximal. Manos va nous parler de ces aspects-là. Comme je l'ai dit plus tôt, un obstacle clé à l'inclusion dans l'éducation, c'est le manque de conviction que cela est possible et souhaitable. Cette absence de conviction n'est pas seulement un problème pour les décideurs politiques ou les enseignants. Les parents et les communautés pourraient avoir des croyances discriminatoires. Eux aussi, quelque 15% des parents en Allemagne et 59% à Hong Kong craignent que les enfants handicapés perturbent l'apprentissage des autres enfants. De nombreux parents préfèrent les sentiments de familiarité ou d'exclusivité qu'offrent certaines écoles. Le choix des écoles souvent exacerbe une tendance à la séparation. Le rapport présente plusieurs exemples. Distinction par revenu au Chili, par natif ou migrant au Danemark, au Liban, ligne sectaire, Malaisie, origine ethnique. Le rapport indique que plus d'un tiers d'étudiants noirs aux États-Unis sont dans les écoles, au moins 9 sur 10 de leurs camarades sont également noirs. Mais ce n'est pas seulement une préférence d'être à part qui aboutit à la séparation. Les parents des enfants vulnérables ont exprimé leurs préoccupations, les traités sur un pied d'égalité pour au moment d'élaborer les politiques et les programmes sur l'inclusion dans l'éducation. L'inclusion dans l'éducation. À bien des égards, le partenariat est un clé pour les efforts des États en vue de réussir l'inclusion. Les ministères de l'éducation doivent travailler avec d'autres ministères pour recueillir ensemble et échanger des informations sur les besoins des enfants défavorisés et leurs familles dès que possible. Cela est à la base de l'intégration des services fondés sur les normes et données partagées. Une telle intégration améliore la qualité et l'efficacité des services. En Colombie, trois registres communiquent entre eux pour identifier les populations qui sont extrêmement pauvres, déplacées sur le plan interne ou autochtone. Un indice multidimensionnel fait une estimation des conditions de vie pour identifier les bénéficiaires visés par les programmes sociaux, ceux qui en ont le plus besoin. Dans le monde entier, dans la pratique, les normes profondément enracinées, les traditions, les cultures de travail des bureaucratiques tendent à cloisonner les
services qui empêchent la coordination. En genre, les deux principaux organes gouvernementaux chargés des handicapés avaient différentes façons d'accréditer les centres d'éducation spécialisée, ce qui s'appelle les efforts de promotion de l'inclusion. Une nouvelle stratégie décennale va s'attaquer à ce problème. Deuxièmement, les ministères de l'éducation doivent veiller à ce que lorsque les autorités locales ont un mandat pour fournir des services pour l'inclusion, qu'il y ait un financement intégral et que les capacités des responsables locaux soient développées. Souvent, ce n'est pas le cas. De nombreux pays décentralisent les responsabilités vers les autorités locales, mais n'accordent pas suffisamment d'attention aux capacités de ces autorités d'obtenir des résultats. Et cela fait que les inégalités sont exacerbées. Les organisations pour les handicapés, les organisations de handicapés, les associations des communautés de base, les ONG internationales actives dans le l'éducation joue des rôles clés pour défendre l'inclusion dans les sociétés. Elle joue deux rôles distincts mais qui souvent se chevauchent. Premièrement, ces organisations sont des défenseuses et des vérificatrices du droit à l'éducation inclusive. Elles suivent les progrès suite aux engagements pris par le gouvernement en fournissant des informations précieuses aux organes régionaux et internationaux. Elles s'opposent aux violations des droits, elles font campagne pour des politiques inclusives. En Arménie, une campagne d'ONG a fait que le gouvernement a pris la décision de mettre en œuvre l'éducation inclusive sur le plan national d'ici à 2025. Le gouvernement doit créer des conditions permettant aux ONG de contrôler le respect des engagements du gouvernement et défendre ceux qui sont exclus de l'éducation. Ces organisations fournissent des services éducatifs, que ce soit avec un contrat avec le gouvernement ou de leur propre initiative. Elles appuient les groupes que souvent les gouvernements n'atteignent pas, par exemple les enfants des rues. Ces organisations offrent des programmes différents, parfois non formels. Deuxième chance, le gouvernement afghan, puis l'éducation fondée sur les communautés. Ça a été crucial pour atteindre les déficits en milieu rural. Les régions rurales, le gouvernement doit assurer le leadership et maintenir le dialogue avec les ONG pour veiller à ce que les services éducatifs mènent à l'inclusion. Répondre aux normes, soit alignés sur les politiques nationales, ne fassent pas double emploi et n'aboutissent pas à une concurrence pour limiter la Chine, vise à mettre en place un système efficace pour acheter les services des ONG et pour s'adopter une législation pertinente d'ici à la fin de l'année. Le défi qui consiste à appuyer l'inclusion dans l'éducation ne peut pas être relevé par les seuls gouvernements. Nous avons tous la responsabilité de veiller à ce que les écoles et les salles de classe reflètent la diversité des sociétés dans lesquelles nous vivons. Les particuliers et les organisations dans le monde entier travaillent avec les communautés et les gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d'éducation inclusive en mettant en place des communautés scolaires qui soient et accueillantes, et soutiennent tous les enfants et aussi créer les espaces nécessaires pour que les personnes voient l'inclusion dans la pratique. Chaque personne est unique et les écoles doivent refléter cette diversité et appuyer les nombreuses différences que chaque enfant et chaque élève apporte. Pour cette raison, nos politiques éducatives doivent être guidées par une approche fondée sur les droits de la personne, qui s'efforce de réduire les écarts au sein de notre société. La vaccination contre le papillomavirus dans chaque école, les comités locaux pour l'éducation des autochtones, la directive pour éliminer la discrimination raciale et ethnique dans les centres éducatifs sont quelques exemples des efforts faits par mon pays, le Costa Rica, dans ce sens. En mai 2020, mon pays a été le premier pays d'Amérique latine à légaliser le mariage homosexuel. Cela ne représente qu'un exemple de plus de notre attachement à construire une société où toutes les personnes ont les mêmes droits. Comme toute autre personne, je m'associe au rapport GEM en demandant au pays d'examiner sans complaisance leur politique éducative et de veiller à ce qu'elle reflète la diversité et la valeur inestimable au sein de la société, qui est une valeur inestimable au sein de la société. Les gouvernements souvent parlent de ne laisser personne de côté et cela doit inclure les élèves de tous les antécédents, contextes, aptitudes et identités. Nous ne pouvons pas réaliser l'inclusion d'un seul groupe à la fois. Après tout, comme ce rapport GEM le déclare, tous, cela signifie tous sans exception. Et nous, au Costa Rica, nous en sommes convaincus. L'éducation pour tous, cela signifie tous sans exception. Et cela doit comprendre des élèves ayant toutes sortes d'aptitudes et les écoles doivent s'adapter aux différentes compétences et aux différentes exigences d'acquisition de connaissances des élèves. Les obstacles à l'éducation de qualité sont encore trop infranchissables pour trop d'apprenants. Un enfant sur cinq, un adolescent, un enfant, un jeune sur cinq est entièrement exclu de l'éducation. La stigmatisation, les stéréotypes et la discrimination signifient que des millions
d'autres enfants sont marginalisés à l'intérieur des salles de classe. Les trois prochaines recommandations du rapport GEM soulignent pourquoi nous devons nous efforcer de rendre tous les endroits d'apprentissage accessibles à tous. Il faut permettre aux maîtres et aux professeurs d'enseigner dans des salles de classe appropriées, recueillir les données appropriées pour veiller à ce que les ressources atteignent ceux qui risquent le plus de prendre du retard. Manos va nous en parler. Le concept simple puissant de la conception universelle concerne les produits, les environnements, les programmes et les services pouvant être utilisés par toutes les personnes dans la plus grande mesure possible, sans nécessité d'adaptation ou de conception spécialisée. En éducation, le concept est surtout lié à la conception des bâtiments scolaires pour les rendre accessibles aux apprenants handicapés. Cette notion a été étendue pour des approches qui minimisent les obstacles à l'apprentissage pour les élèves handicapés. Cela s'étend maintenant à des technologies numérique souple d'apprentissage, mais cette idée sous-jacente de la souplesse pour surmonter les obstacles dans l'interaction entre les apprenants et le système éducatif s'applique également à une échelle plus grande. Tous les élèves doivent apprendre à partir des mêmes programmes, souples, pertinents et accessibles, prenant en compte la diversité reconnue et répondre aux différents besoins des apprenants. Mais de nombreux pays n'adaptent pas les programmes d'études aux besoins des élèves, ils les excluent ou les séparent. Ils enseignent un programme spécial aux élèves handicapés, ils poussent les élèves les plus faibles vers des filières inférieures, ils n'ont pour réfugiés que des programmes dans leur pays d'origine. Les scolaires peuvent exclure perpétuant les stéréotypes au moyen d'omissions, de fausses représentations. Seulement 24% des textes et images dans les manuels scolaires du Punjab ou Pakistan montraient des femmes. Les pays dans le monde ont du mal à aborder l'orientation sexuelle. L'examen de 49 pays européens indiquait que seulement 23 abordaient ces questions de façon explicite. Ce ne sont pas des questions faciles pour un pays quel qu'il soit. Il y a des difficultés politiques concernant le type de société auquel les gens aspirent et qu'ils essaient de réaliser grâce à l'inclusion. L'inclusion, c'est un exercice démocratique. Il y a aussi des problèmes techniques pour offrir des compétences pertinentes de façon à ne pas isoler certains apprenants. Les évaluations doivent être alignées sur les programmes manuels, permettre la formation, permettre aux élèves de leur apprentissage de différentes façons. Si les évaluations sont trop étroites, ça peut être un facteur décisif entre ceux qui restent à l'école et ceux qui quittent l'école, alors que les évaluations devraient exister pour améliorer l'apprentissage des élèves et étudiants. Les enseignants ont besoin d'une formation à l'inclusion. Un quart des enseignants dans les pays à revenus moyens ou élevés ont signalé une grande nécessité de formation, d'enseignement aux élèves ayant des besoins particuliers. Mais les enseignants ne doivent pas prendre des approche inclusive en tant que thème spécialiste, ça doit être un élément fondamental de leur formation permanente. Au New Brunswick, au Canada, par exemple, un quart de tous les enseignants ont été formés pour appuyer les élèves ayant des troubles du spectre autistique. De tels programmes doivent viser à s'attaquer aux vues enracinées concernant certains élèves qui seraient déficients, incapables d'apprendre. Aux États-Unis, 31% des enseignants pensent que les inégalités sont surtout dues au fait que les Afro-Américains n'ont pas la volonté de se sortir de la pauvreté. À Sao Paulo, au Brésil, les enseignants de mathématiques étaient plus susceptibles de donner de bonnes notes aux étudiants blancs plutôt qu'à leurs camarades noirs, pourtant tout aussi intelligents et sages. Les directeurs d'école doivent être prêts à mettre en œuvre et à diffuser une éthique scolaire de l'inclusion. Enfin, un corps enseignant diversifié est crucial, car il appuie l'inclusion en offrant des perspectives et les maîtres sont des modèles pour tous les élèves. En Inde, le pourcentage d'enseignants provenant de castes répertoriées a augmenté, mais les castes sont encore sous-représentées dans ce métier. Quelles données sont recueillies et comment elles sont utilisées détermine si l'inclusion est bien servie par les données. Il existe une tension potentielle. Recenser les groupes fait que les défavorisés deviennent visibles, ce qui facilite l'action. Mais ce faisant, les enfants peuvent être réduits à des étiquettes, ce qui peut renforcer leurs désavantages. Tous les enfants se heurtent à des obstacles en matière d'inclusion, mais ils n'appartiennent pas tous à un groupe identifiable nu. D'autres enfants appartiennent à plusieurs groupes en même temps. Le Portugal a une approche sans catégorie pour déterminer les besoins particuliers. Les recensements et les enquêtes aident à surveiller les résultats au niveau de la population. La situation s'est améliorée ces dernières années, mais les lacunes persistent. Depuis 2015, 41% des pays, représentant 13% de la population mondiale, n'ont pas eu une enquête publiquement disponible auprès des ménages pour fournir des données ventilées sur les indicateurs clés en matière d'éducation. Mais le recensement et les se heurte à des problèmes pour formuler des questions lorsqu'il s'agit d'identifier la nationalité, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Cela peut toucher à des informations personnelles sensibles, cela peut être intrusif et déclencher des craintes de persécution.
Le Kenya a ajouté de nouvelles catégories de groupes ethniques et aussi intersexes comme option pour le genre dans le recensement 2019 au Kenya. Des progrès considérables ont été faits. Les statistiques du handicap commencent à rattraper le modèle social. Les données de 14 pays à revenus faibles ou moyens en 2017-2019 en utilisant le module de fonctionnement de l'enfant indiquent que 12% des enfants ont un handicap. Mais de grandes différences persistent. Certains pays ne saisissent pas les données de base. Par exemple, le Cameroun et le Nigeria n'ont pas de données sur la scolarisation des enfants ayant des déficiences visuelles. D'autres pays suivent les expériences de fond des élèves. La Nouvelle-Zélande contrôle la question de savoir si les élèves sont en sécurité. On mesure leur capacité d'établir et de maintenir des relations positives, respecter les besoins des autres et manifester de l'empathie. Merci. Nous avons entendu que nous avons besoin d'efforts sérieux pour préparer, autonomiser et motiver le corps enseignant et veiller à ce que tous les enseignants soient prêts à enseigner à tous les élèves. Même si les politiques d'un pays ne sont pas inclusives, un enseignant peut enseigner de façon inclusive. Un pays peut avoir des politiques inclusives, mais le parti pris des enseignants peut signifier que la discrimination persiste dans la salle de classe. Cela veut dire que les enseignants sont des partenaires cruciaux pour la mise en œuvre d'une éducation inclusive. Les enseignants doivent être dotés des compétences et des solutions nécessaires pour satisfaire les besoins des élèves. Dans le cas de l'enseignant kényan Anthony, son expérience en tant qu'étudiant sourd a nourri sa détermination de soutenir d'autres enseignants pour l'éducation inclusive et spécialisée. Anthony nous rejoint du camp de réfugiés de Kakuma au Kenya. Il va s'adresser à nous en utilisant la langue kényane des signes. Ces signes seront interprétés en langue des signes des États-Unis par un interprète qui participe à la réunion d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Were. Je m'appelle Anthony Were. Je travaille avec Humanity Inclusion, inclusion humanitaire, en tant que responsable du projet éducation inclusive. Je suis un enseignant. Nous appuyons les enfants handicapés dans le camp de réfugiés de Kakuma. Nous les aidons à avoir accès à l'éducation de différentes façons. Premièrement, on identifie et on signale ces enfants à l'école qui en est responsable. Nous avons une action de sensibilisation à l'école pour réduire la stigmatisation et la discrimination. Nous enseignons les maîtres et les professeurs en ce qui concerne l'éducation inclusive. Nous avons également des assistants dans les salles de classe qui soutiennent nos enfants et nous avons aussi des enseignants dans les salles de classe plus grandes. Pour moi, en tant que sourd, il était difficile pour moi de communiquer avec les enseignants et les apprenants qui ne connaissaient pas la langue des signes. Au fil du temps, les intéressés ont un peu appris la langue des signes. Il est passionnant d'interagir avec les enfants car leur interprète leur plaît et ils réussissent à communiquer avec la langue des signes et j'espère qu'ainsi ils vont pouvoir acquérir des connaissances très rapidement. Mon éducation a été un peu différente car je suis allé dans une école spécialisée où j'avais des homologues qui étaient dans la même situation que moi. Mais l'éducation inclusive encourage l'interaction et l'acceptation. L'éducation inclusive donc encourage l'interaction et l'acceptation d'autrui. Après la poussée du coronavirus, après que la pandémie s'est répandue, les écoles ont été fermées, les apprenants et les enseignants sont restés chez eux. Cela a ralenti le rythme de progression de l'éducation inclusive. L'école manque aux enfants
Mais nous avons fait passer nos activités scolaires de l'école à la communauté. Nous agissons pour la communauté. Nous avons des assistants de salle de classe qui soutiennent les enfants chez eux et les enfants accèdent aussi à l'apprentissage à domicile. Nous avons engagé des dialogues avec les dirigeants des communautés. Ils nous aident à rendre la communauté sûre et sans danger pour les enfants handicapés. Je vous remercie. Aucun pays dans le monde n'a une éducation 100% inclusive. C'est pour cela que le rapport GEM a lancé un appel pour que toutes les personnes participent ou qu'on soit dans le monde. Le lien vient d'apparaître sur l'écran dans le chat. On vous demande quelle recommandation du rapport GEM doit recevoir la priorité absolue dans votre pays. On vous invite à envoyer les résultats à votre ministre de l'Éducation. Il n'y a pas une seule réponse à la question dans le sondage, car l'éducation inclusive, ce n'est pas une fin en soi, mais un processus. Et de nombreux ont pris des mesures extrêmement positives dans la bonne direction. Nous devons tirer des enseignements des expériences d'autrui, partager les connaissances et les ressources et nous soutenir mutuellement tout au long de ce processus, de ce parcours. Manos va nous en parler. Comme on vient de l'entendre, les équipes du rapport est enthousiaste de lancer un nouveau site web aujourd'hui, le site web Peer. C'est profil de renforcement des examens de l'éducation. Mandat du site web Peer, c'est d'assurer le suivi des efforts nationaux pour atteindre l'ODD4. Le site web Peer vise à répondre à ce besoin. Ceux qui s'intéressent à l'éducation comparative se sont posé la question, quelle est l'approche de tel ou tel pays pour cette question de politique de l'éducation? Le site web Peer comprend des profils décrivant des approches de différents pays pour l'inclusion dans l'éducation grâce aux lois et politiques. Cela accompagne le rapport GEM 20. Nous utilisons ces profils pour étudier certaines questions choisies par région. J'en ai parlé au cours de l'exposé. Nous pensons qu'on peut tirer parti d'une mise en commun des données d'expérience. Nous espérons que notre site web Peer va faciliter ce processus au niveau régional ou sous-régional. Les profils sur différentes questions clés pour l'ODD4 sont ajoutés à ceux qui sont déjà sur le site. Nous travaillons déjà sur des profils pour notre rapport 2021 avec un accent mis sur la façon dont les pays encadrent les acteurs non étatiques dans l'éducation. Les profils sur le financement équitable vont également bientôt être publiés. Le site web Peer constitue un groupe avec deux autres sites web. Le site Wide sur les inégalités dans l'éducation, qui célèbre son 10e anniversaire cette année. Ce site s'est engagé sur une nouvelle voie de développement passionnante avec notre partenariat avec l'Institut de statistique de l'UNESCO. Le site web Scope, qui a été lancé en janvier, accompagne de manière interactive le volet suivi du rapport. Cela permet de suivre les tendances au fil du temps et les schémas dans différents pays concernant les indicateurs sur l'objectif développement durable 4, ce qui offre des informations riches en enseignement. Nous vous invitons à consulter tous ces sites web. Dans un monde de plus en plus confronté à l'incertitude et à la précarité, l'inclusion doit être au cœur de l'avenir de l'éducation. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre aide dans la diffusion de ces messages et dans le plaidoyer au sujet de leur importance. Ce que vous avez découvert, c'est la culmination d'un travail acharné fait pendant les 18 derniers mois. Je tiens donc à remercier mon équipe pour son dévouement. Je remercie tous nos partenaires qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps de travail. Pendant le dernier trimestre de cette année, nous avons lancé deux éditions régionales sur l'inclusion et l'éducation. Première édition sur l'Amérique latine et les Caraïbes, deuxième édition sur l'Europe centrale et orientale, le Caucase et l'Asie centrale. Donc restez à l'écoute. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Continuez de nous suivre. Ce qui est évident, c'est que le défi de la réalisation de l'inclusion dans l'éducation ne peut pas être relevé par l'action d'un seul pays, quel qu'il soit. Le rapport demande des solutions unifiées pour aider les décideurs politiques à donner la priorité au changement qui compte vraiment. Hélène Clark va nous dire ce qu'il faudra pour élaborer la voie à suivre, pour garantir une éducation de qualité, inclusive et équitable pour tous les apprenants d'ici à 2030. Hélène Clark. Le rapport GEM 2020 est un appel à l'action, un appel à élargir notre compréhension de l'éducation inclusive pour prendre en compte tous les apprenants, quelle que soit leur identité, contexte, antécédent ou aptitude. Un appel à recueillir de meilleures données sans lesquelles on ne peut pas comprendre les véritables parties du problème. Un appel à rendre les politiques publiques plus inclusives, fondées sur des exemples de politiques efficaces actuellement en vigueur. Un appel à partager les
meilleures pratiques et les compétences d'experts sur la façon de rendre nos sociétés plus équitables et plus humaines. Nous sommes à la croisée des chemins. Les pays doivent tirer les enseignements des nouvelles tactiques qu'ils ont élaborées pendant les fermetures des écoles pour construire de nouveaux systèmes éducatifs qui peuvent promouvoir une société plus sûre, trouver de nouvelles façons de s'adapter aux besoins de tous les élèves, de tous les enfants, quels qu'ils soient. Ce n'est qu'en tirant les enseignements de ce rapport qu'on pourra comprendre la voie que nous devons emprunter à l'avenir. Les messages du rapport ne pourraient pas survenir à un moment plus opportun. Toute la société a un rôle à jouer pour favoriser l'inclusion dans l'éducation. Le nouveau rapport GEM 2020 présente des messages fondamentaux pour avoir une meilleure inclusion dans l'éducation. Ces messages ne peuvent pas survenir à un meilleur moment. Merci Hélène et je remercie tous les orateurs que nous avons entendus au cours de l'heure qui vient de s'écouler. Tous ces orateurs sont de véritables champions de l'inclusion. Ils œuvrent pour changer les mentalités dans les communautés et dans les écoles au niveau national. Le lancement d'un mouvement qui doit être amplifié par nous tous. Nous avons chacun un rôle à jouer pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Pendant la réunion d'aujourd'hui, on a reçu tous un Thomas Julia, qui travaille avec Humanity Inclusion, qui renforce l'éducation pour et Lorraine, qui travaille avec des enfants en Australie, qui travaille avec de jeunes enfants. Je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Merci aussi pour votre travail. Nous invitons à poursuivre la discussion. Les participants qui nous rejoignent sur la plateforme peuvent s'engager dans une discussion en direct, questions-réponses avec les orateurs d'aujourd'hui. Les orateurs seront disponibles pendant une heure après l'événement, donc jusqu'à midi, heure d'Europe centrale. Et pour participer aux questions-réponses, vous pouvez cliquer sur le bouton Speaker Q&A dans le menu de navigation en haut de votre écran. Pour ceux qui regardent sur d'autres plateformes, vous pouvez continuer d'afficher vos questions et vos observations en utilisant le mot dièse, hashtag all means all. Yes, all means all. Et n'oubliez pas d'indiquer quelle recommandation doit avoir la priorité absolue dans votre pays en participant au sondage du rapport GEM. Nous allons nous séparer avec le dernier appel à l'action émanant du rapport GEM qui souligne que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour garantir l'inclusion et l'éducation. Je vous remercie tous et toutes et je vous dis au revoir. L'interprète français prend congé de vous, et vous remercie de votre attention. Unique abilities and challenges, preferences and dreams. A diversity that should be reflected across our school systems. But for many, it is not. मी विचार केला की जर मोठे मोठे घरचे लोक शिकू शकतात तर आपण का नाही शिकू शकत माझी तर इच्छा होती त्याच्यानंतर हा पण विचार आला की माझ्या आई वडिलांनी वर्षानुवर्षे रस्त्यावरती राहून काढले मग त्यांना पण माझी इच्छा होती की त्यांना पण असं म्हणजे सगळे घरामध्ये राहतात मला पण इच्छा आहे की मी पण एक स्वतःचा रूम घेईल शिकून मोठी झाल्यावरती By 2030, we aim to achieve inclusive education for all, no matter the region, income, or challenge ahead. This is the decade of action, and together we must ensure that all really does mean all in every classroom. To achieve true inclusion, we will need to place students' differences at the core of our education systems, understanding them as strengths to be celebrated, not as problems to be solved. From children to policymakers, parents to principals, everyone will need to get involved. Countries will need to understand the challenges and underlying disadvantages facing their students and directly address each individual's multi-layered needs. Inclusion cannot be achieved one group at a time. It requires more and better data on those being excluded from education to make the invisible visible again. Accurate data is important for everything as a great starting point. To make data come alive for action, you need these very lively and sustained partnerships. But simply moving students from special schools into mainstream schools that lack the appropriate resources will not work. It requires a complete shift in systems and teachers that are well trained with the right learning materials and assessments to meet the needs of their students. Guter Unterricht ist für uns kooperativer Unterricht.
in dem Schüler auch gemeinsam Probleme lösen, nicht immer nur der Lehrer gefragt ist. Das heißt, ich verlasse meinen Status der allwissenden Lehrperson. We need to break down preconceptions about particular groups to ensure that all children feel welcome in school and have the chance to thrive. We believe that everybody at the lab is an agent of transformation. Some of them report that the lab gave them a voice. We help them in this way, yes, to become protagonists, to awaken their potential. Across the world, governments and policymakers will need to ensure equitable financing. Allocating these resources to children that are the furthest behind will need to be planned jointly. Partnership cannot be overemphasized. So you may not be a health person, but you may be an administrator, you may be an innovator. We can put all of these to the table and then make it work. The path ahead will have its challenges, but working together, learning from our peers, we can ensure that all means all, and every child has the chance to reach their full potential.